Et salut tout le monde, c'est Arisnek. Aujourd'hui on se retrouve pour le trophée allié de poids, donc qui consiste à tuer un capitaine ennemi en chevauchant un ologue. Donc pour ça il va falloir que vous trouviez un capitaine qui a une bande d'ologue avec lui. Donc pour ça vous allez dans le menu armée, vous faites point info sur l'un des capitaines ennemis, donc grâce aux renseignements que vous avez obtenus auprès des orques, et vous regardez dans la sélection attributs de classe si il est accompagné par une bande de log. Donc voilà, moi j'en ai trouvé un. Comme vous voyez au début de vidéo, je lui ai baissé son niveau car c'est beaucoup plus facile de le tuer avec le log, parce que le log fait pas beaucoup de dégâts, mais voilà, ça va me faciliter la tâche. Donc il y a deux façons de chevaucher un log. Soit vous lui tirez une flèche dans la tête et il va être étourdi, et à ce moment-là vous faites tout de suite R1 ou sinon RB Xbox pour pouvoir le chevaucher. Ou sinon, comme moi là, je vais carrément le geler grâce à mes attributs, mes points d'aptitude que j'ai obtenus. Donc, vous allez voir, ça va aller très vite. Hop, je l'ai gelé, je fais tout de suite R1. Hop, je monte sur son dos. Et là, vous mettez des petits coups quand même de couteau dans son dos pour qu'il mette des coups un peu plus vite. Parce que sinon, il s'arrête si vous arrêtez carré. Donc, vous voyez, là, je remets des coups de couteau. Vous voyez, il remet des coups de hache. Donc vous voyez, ça allait très vite, je lui avais baissé déjà bien sa vie, baissé son niveau par rapport au mien, il était niveau 40, moi j'étais niveau 60, donc ça allait assez vite. Donc je vous repasse l'action. Donc soit, comme je vous dis, vous gelez le log, moi je trouve que c'est la plus facile des choses à faire. Le geler le log, parce que si vous tirez une flèche dans sa tête, le temps il est au ralenti, et puis des fois il y a des ennemis autour, c'est chiant, et il est plus étourdi, et puis des fois ça marche pas quand vous voulez le chevaucher. Donc c'est à vous de voir suivant... vos points d'aptitude et comment vous jouez. Moi j'ai réussi comme ça, donc voilà. Donc voilà, vous avez deux options pour réussir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Et puis si t'as besoin d'aide, tu peux toujours jeter un œil à ces autres vidéos de guide trophée de la Terre du Milieu. Je suis sûr que tu vas trouver ton bonheur. Et puis, tu peux toujours t'abonner, comme ça tu seras le premier informé des prochains guides de trophées qui vont sortir sur la chaîne. Allez, salut tout le monde, et au prochain trophée.